Yo tout le monde, ça... Attends, mec, le fail. Oh, attends. On va y arriver. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hola. Wesh mon poteau, là je suis pété. Je suis en buvette, pas sous béton. Putain, j'ai des poteaux qui sont béton. La D, j'ai mes Air Max sur le béton. Ça me fait chier, et tu sais pourquoi je fais ça. Je dois sortir maman de la tête. Yo tout le monde, c'est Salia, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement présenter le serveur Overblast et je suis en compagnie, fondateur, modérateur aussi, Samy. Bonjour. Donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit on va présenter le serveur Overblast. Donc c'est parti, on va tout simplement passer à la partie, à ma présentation, c'est parti. Donc ici on a du coup les métiers, donc on va cliquer dessus, donc on va rejoindre un métier, statut, à propos, etc. Donc on va rejoindre un métier. Il y a bûcheron, mineur et agriculteur. Il y a... désolé de te couper, mais il y a d'autres métiers qui vont arriver. Là c'est plus du test hein, en fait. Il n'y a pas de souci. On va voir comment ça marche. Pas de souci, donc on va prendre agriculteur. Allez hop. Du coup ici on est dans une petite salle, voilà, qui est juste à côté du spawn, voilà, vous pouvez voir. Donc ici on a la farm zone, on a la mine, donc on a les mines, on a le FFA et on a les quêtes qui sont en développement, voilà. Là on a des petits spawners et comme vous voyez j'ai changé de skin, il est beau hein. Bref, là on a des autres spawners à vache, j'ai appelé ça un cochon, bon. À creeper. Ici on a squelette araignée, et après ici on a un petit PNJ qui tape et il vend automatiquement tout ce que vous avez de vendable dans votre inventaire. Donc si vous avez un truc que vous voulez pas vendre, n'appuyez pas sur ce PNJ parce qu'il vend tout ce qui est vendable. Ensuite on a la mine, donc qui se reset toutes les 3 heures, mais il faut qu'elle soit complètement vide. Si elle est pas vide, elle se reset pas, d'accord? Et c'est à partir que le dernier bloc dans la mine est cassé qu'elle se reset après 3 heures. Et dedans, vous pouvez trouver plein de ressources comme des minerais, etc., etc. Là, il y a de l'opsy. Donc ici, on est tout simplement FFA. Voilà, les amis. Donc le FFA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, c'est tout simplement un endroit pour PVP. Je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait un slash kit assis. Slash joueur de bloquer. Aussi... En faisant slash kit, voilà, vous pouvez voir des kits, donc le kit joueur et le kit grade. Ici on a le shop, ici on a créer ton île, ici on a aide au skyblock, et ici on a cadeau journal. On va aller au shop, voilà, donc le shop, vous pouvez voir, il y a des armes, armures, blocs, nourriture, agriculture, autres minerais et spawners, voilà. Ici, c'est pour taper, pour créer ton île. Donc la commande c'est slash Ion John, voilà, pour rejoindre votre île. Donc j'ai déjà commencé un peu à couper du bois, etc., etc., sur mon île. Vous pouvez voir l'île de base, en fait, hein, c'est tout à fait de base, comme tous les skyblocks. Ok, les amis, donc là on a le farming chest, donc je suppose que quand l'ouvre, il prend tout d'un coup. Et il replante tout, voilà. Ici, on a le mineur, enfin le minion mineur, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, c'est un minion qu'on pose devant un générateur à cobble et qui mine automatiquement, voilà, qui mine voilà, tout seul, donc comme ça, vous pouvez et faire. Il a plusieurs levels. Le niveau 1, donc qui coûte 1000 OC, donc OC, c'est la monnaie du serveur. Il a le niveau 2 qui, voilà, là, il est en niveau 2, donc il mine de plus en plus vite. Ouais. Puis il y a le niveau 3 qui mine extrêmement vite. D'accord. Ici, on a des items spéciaux, voilà. Là, la Cell Wand, tu peux prendre ce qu'il y a là-dedans hein, pour montrer. Donc c'est tout ce qui est vendable dans votre inventaire, ben, ça va le vendre automatiquement en fait. Regardez. Ah ouais, je viens de le faire. Là, il y a la Feed Wand, donc dans les rank-up, en gros, il y a une liste de rank-up. Qui est sur Discord et voilà, donc la Feed Wand elle sert à tous les grades qui ont le slash 8 de se nourrir en un coup. T'as juste ah à ouais. faire un clic. Ah ouais, je viens de le faire. Ah ouais, bah nickel. Ensuite tu as le heal stick qui te sert à te heal en ouais. ça va pour tout le monde, même si... donc ça te soigne. Ouais. Ensuite t'as la Voucher. La Voucher qui est un papier avec de l'argent. Ouais. Qui te. Voilà, tout simple, hein, que tu cliques, il te donne 10 000. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un truc disponible dans les box, exclusivement, ouais. Parce que sinon, ça sert pas à grand chose. Ouais, t'as le Cookie de Noël. Ouais. Le Cookie de Noël qui te donne des petits effets. Ah oui, et alors. Il y a bientôt il me le donne... sucre de Noël. D'accord, il me donne A2, Force 2 et Régénération 2. La Mineur Effect. Voilà. Et elle me donc, donne. La Mineur Effect. Résistance ça... au feu. Ça, c'est pour miner en gros, si vous minez, que pour éviter de vous manger la lave ou quoi, et ça vous donne hast pour miner plus vite. Vous sautez, puis c'est ici, c'est le Black Market.
c'est ça. Pas, on peut pas dropper. Ah ouais, c'est ouais, bon, c'est j'ai ça. Acheté. Et ça fait quoi? Donc, ah, ah oui, ah ouais, putain, ça c'est bien. Donc ici, la clé commune, voilà, donc je l'ouvre. Ok, et j'ai eu 16 diamants. Donc c'est pas trop mal, 16 diamants. Avec une petite animation qui va bien. Donc 16 diamants avec la modée. On peut avoir... Allez, hop. Tu peux avoir un farming chest dedans, mais il est très rare. Allez, t'as gagné un feed wand. Voilà, donc là, c'est tous les items un peu spéciaux. Ouais. T'as modé, mais c'est pas vraiment modé, c'est spéciaux. Ouais, ouais. Hop là, mythique. Trompe de gold. Pas mal. Ça, c'est dans la mythique, ça, c'est le truc le plus nul hein, que tu peux gagner. D'accord. J'ai pas eu de chance alors. Et la légendaire. La légendaire, qu'est-ce qu'on va avoir? 15 golden apple. Ça va. Ouais, ça, c'est aussi le truc nul que t'as gagné. D'accord. Parce que dans la légendaire, tu peux gagner un PNJ mineur. Et ouais. Dans la mythique, le truc le plus gros que tu peux gagner, c'est le. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, cadeau. Oula, c'est quoi? Ah oui, alors du coup, j'ai eu deux légendaires et des élytras. Deux clés légendaires, du coup, les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a eu 64 blés, d'accord. C'est pas ça ouf. Ça aussi, c'est de la merde. On a pas eu de chance. Et du coup. La dernière clé, qu'est-ce qu'on va avoir? Un peu plus de chance. Oh bah, non. Super, tu vois. Si je gagne un bon truc, je vous promets de faire gagner un MVP plus à vie. Allez, et vas-y. Vous pouvez liker la vidéo de Salir, sinon allez. Ça marche pas. Et vous abonner, voilà, c'est très important. On arrive, voilà, on arrive bientôt aux 2200, donc voilà. En fait, aussi, bah. Ça fait la merde, non? Bah, vous savez quoi, je vous fais gagner, je vous fais gagner 15 000 OC. Ça va? Allez hop, 15 000 OC à gagner dans cette vidéo. Donc si tu veux gagner les 15 000 OC, il faut mettre hashtag... qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, hashtag Secro. Voilà, vous mettez hashtag Secro dans les commentaires. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous aura plu. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, etc. etc. N'hésitez pas à rejoindre le serveur de Overblast. Discord qui sera en description. L'IP qui sera en description. La chaîne de Secro Star aussi qui sera en description. Voilà, donc je vous laisse. Portez-vous bien. Et ben voilà, portez-vous bien. À la prochaine, rien.